Wouhou, et Soldier, bienvenue sur Fortnite Sauvegarde. Il y a eu une nouvelle mise à jour, enfin pas vraiment, mais il y a eu des packs de le débloquer. Simplement dans la boutique, du coup, fait tout le tour, machin machin, la boutique, vous connaissez. Moi j'avais eu la version, vous savez, il y a la version fondateur à 40 €, 60 €. J'avais eu la 60 € il y a longtemps, longtemps. Maintenant il y a ça qui est sorti en plus. En gros, ça attend. Ça coûte 15 € mais en fait c'est moitié prix, donc du coup ça fait plus 30. Donc c'est la version de base à 90, 90 ou 100, je ne sais pas trop. Mais c'est pas celle-là qu'on va prendre aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu à prendre celle-ci. En fait, ça coûte 45 €, mais vu que c'est à moitié prix, ça fait 90. Et moi, j'ai déjà la version à 60, du coup 90 plus 60. Ça fait la version ultime à 150, qui était limitée, qui avait disparu, qui est revenue aujourd'hui, du coup. On va voir ce qu'on aura dans celle-là. 8 piñatas, bonus exclusif, 8 piñatas quotidien, 48 piñatas quotidien. Ok, donc ça, c'est un truc en gros, tous les jours, t'auras un pack en plus. En plus de tes récompenses, j'en ai l'air, tu vois. Des Pinatubes, India, des icônes exclusives, 30 bonus XP, XP amis, 150 emplacements dans le coffre, 10 emplacements dans le sac, ça c'est cool, 2 défenseurs exclusifs, 10 lamas de troll légendaire, un canal de discussion exclusif au fond d'enterre, ça c'est cool, parce que du coup, il y aura certainement moins de les gars qui demandent des échanges H24 pour le canal, en gros en bas à gauche, vous voyez là, c'est écrit qui trade, c'est moi, c'est. C'est un chat de cancer en fait le truc, c'est tout. Alors, deux héros exclusifs en plus. Tadam! Récompense de l'édition super spéciale. Donc la version ultime du coup. Alors, 10 bonus XP, ok. 10 bonus XP amis, ok. 50 places Arsenal, ok. Bonus XP de groupe, ok. Accès à la discussion des fondateurs. Attention, ça rigole pas. On est dans l'élite, monsieur. Récompense fondateur quotidienne 14. Troll Lama Builder 5. Ok, en gros, ça upgrade comparé à tout ce que j'avais déjà. Parce qu'en fait, j'ai déjà un pack, genre. J'ai pas le pack Deluxe, je sais pas quoi, mais c'est genre le pack au-dessus du coup. Je comprends pourquoi c'est. C'est. Attendez, c'était où que j'avais vu? Là. C'est que 14 en fait, parce que j'avais déjà. Je sais plus comment j'avais vu. Mais du coup, les 48, ouais, j'ai eu 30, je crois. Ouais, voilà, ça doit être ça. En fait, ça cumule pas. Du coup, en fait, si tu prends la version 150 d'un coup, t'as tout. Et si tu prends les versions petit à petit, bah en fait, t'as pas de trucs en plus. On va pas prendre des trucs petit à petit, parce que moi à l'époque, je crois que ça n'existait pas encore. Ou alors la flemme de payer 150 € directement dans le jeu, du coup, c'est mieux quand tu as une promotion. Donc c'est des trucs en plus. Ah non, mais. What? Je comprends plus rien. Ah non, je viens de comprendre. Le truc d'avant, c'était le pack à 15 €. Et ça, c'est le pack à 45. Et je suis perdu. Je suis perdu tout ce que vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de trucs. Mais je suis un peu perdu. Salut, commandant. Bon, c'est vrai que je vous ai complimenté parce que vous êtes un membre fondateur. Je suis un membre et parce que fondateur. notre base est meilleure que celle des autres. Et parce que les autres commandants devraient se prosterner devant vous. Mais c'est juste que j'ai Ouais, tendance à me ok, du lâcher coup quand on je a le discute choix par en radio. fait. Bref, grâce à mes Pack de talents de constructeur marketing, fondateur, ninja j'ai réussi fondateur, à trouver aventure des héros fondateur, légendaires qui veulent soldat vous fondateur. rejoindre. Donc les soldats, Choisissez t'en as un, il ceux a que vous genre un voulez recruter. maquillage, l'autre t'as les classiques en noir et rose. Les aventuriers, c'est genre des pilotes de course en jaune avec des casques. Les ninjas, ils sont blancs. Ça, c'est cool. Et les constructeurs, ils ont des couleurs différentes. Mais moi, je pensais prendre les ninjas. Donc, je pense qu'on va prendre ça directement. Sans regret, parce que j'ai vu plus ou moins les armes qu'ils proposaient. Ça, apparemment, c'est cool. L'arme fusée d'assaut, là, c'est un truc à tambour, je sais pas trop comment on dit. Ça, c'est cool. Ça, je sais pas ça non plus, mais je sais que ça, c'est cool. Mais moi, j'ai bien aimé l'épée. J'ai vu et tout, elle a l'air stylée. Et du coup, ça ferait une belle épée pour le corps à corps de mon ninja. Donc, sans regret, je clique sur ninja, choisir sa récompense, oui. Et du coup, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir tout, tu vois. On s'en fout. Ah, c'est celle-là. Masamune ardente, fondateur cuivre. Ok, ça, c'est quoi de quoi? Version épique. Ah, donc, en gros, je peux upgrade une arme. Ah, bah, celle-ci, je peux la mettre en épique. Ah, c'est encore mieux en fait. Ok, donc voilà en fait, c'est ça le truc. Moi j'avais déjà 28 jours en bas de fondateur. Quoi? Maintenant j'en ai 84. Je ne comprends plus rien. Ça. Je comprends plus le truc en fait. Je crois que ça faisait 40. Bref, apparemment maintenant je suis passé de 20. Enfin 28. C'est ce que j'ai déjà fait, tu vois. Donc là, 84 moins 28, 56. Donc j'aurais 56 jours en plus. Ce qui est pas mal parce que du coup ça donne des belles petites récompenses. On kiffe. Du coup là ouais j'ai truc à j'ai plein de trucs j'ai on commence par celui-là c'est quoi celui-là c'était le truc qui était en haut à droite là
Que c'est un classique, ouais, ça c'est un classique. J'ai un pas. Ok, bref. Maintenant j'ai un 10 légendaire. Quoique, on va commencer par les améliorer, comme ça on commence petit. Et on va finir par les gros trucs. Ok, donc on a eu pas mal de trucs, pas mal, pas mal. Mais ça c'est plutôt du basique en fait, j'ai eu peu de légendaires et de épiques. Mais du coup maintenant on passe directement au lama de troll légendaire. Ça c'est la case au-dessus. J'en ai 10 aussi. Tout à l'heure j'ai eu un or de argent. Là voir ce que j'ai. Cool, un or. Et ça se trouve c'est que dans l'or, non? Ça c'est cool. Ça serait très cool. Bon alors là j'ai eu beaucoup de trucs sympas. Plein de trucs légendaires du coup, bah normal. Plein de tickets aussi, donc à chaque fois en fait. Là j'ai combien? J'ai de quoi ouvrir 10 caisses. Road trip, ça c'est cool. Il y a plein d'armes que j'ai pas aussi en légendaire. Des pièges, assez cool. J'ai vu un truc assez beau là, c'est ça, là, je connaissais pas. Leader survivant, Michiro, Samurai Tofun. C'est cool vu que je ne l'avais pas. Après il y a quelques trucs que j'ai, surtout quand c'est de l'épique en fait. Bon puis le rare en bleu, ça en souffle un petit peu, mais. Ça, j'adore. Ça, j'adore aussi. Des trucs que j'ai pas. Ouais, c'est tout pour ça. Ah, du coup, mon inventaire est passé à 621. C'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà, tout ce qui est genre gris, vert, bleu. Je pense que ça va être recyclé, mais il y a plein de trucs. Là, genre ça, c'est ouf parce que je l'avais pas. Pas du tout. Enfin, je l'ai genre en bleu, je crois. Donc là, du coup, ça, c'est cool. Ces armes-là, des fragmenteurs et faucheurs. Je kiffe. Celui-là, je l'avais pas non plus. Après, je crois que les pièges, j'avais déjà, mais du coup, ça reste dans ma collection. Comme ça, on trouve une utilité à tout. Les nouveaux héros! Sarah, assassin de Lotus. Ken, assassin de Lotus. Ils sont stylés, les deux. Je vais certainement monter un. Bon, vu que c'est les mêmes, apparemment. Ils n'ont pas de trucs qui différencient. Non, ok, c'est juste les mêmes. T'en as juste un homme et une femme. Donc, j'en monte un à fond, je pense. En plus, ils sont stylés, tout en blanc. Et maintenant je peux ouvrir 10 lamas au road trip du coup vu que j'ai plein de tickets et tout ça. Et j'espère avoir des nouveaux héros parce que là-dedans j'ai qu'un seul héros. Et c'est pas un truc ouf. Et en plus il a pas de chapeau. Du coup pour le truc road trip désert, cowboy, il me faut un chapeau. Ok donc on va voir ce que j'ai eu. J'ai eu ça, nouveau gun, duelliste. C'est le nouveau gun de la nouvelle saison que j'ai pas encore. Ça c'est un fusil aussi de la nouvelle saison. Oui c'est ça, nouvelle saison. Celui-là, bon, du coup, je l'ai en épique et je l'ai en légendaire. Le fusil à pompe, je l'avais déjà, mais pas en épique. Si en épique, non, pas en épique, je crois pas. Le grand-duc en légendaire, c'est cool. Et j'ai enfin un héros avec un chapeau, Ryo Gâchette Facile. Du coup, je l'avais elle en bleu, mais du coup, ça, c'est chaud à voir les nouveaux héros, du coup, j'ai l'impression. Heureusement qu'on peut en prendre deux avec les quêtes. Mais vu qu'il y en a 4, on va avoir 4 de toutes les formes. Et ça, c'est encore un gun. Ok. On aura un nouveau là-dedans. Le bonus XP, ça va y aller. Hein. J'en ai 35 à mettre, lol. Du coup, à chaque fois, ça fait du cumul en fait. Et donc, ça va durer sur le temps, plus jamais. J'ai 153 XP d'équipier. Mais vu que j'ai pas de potes sur Fortnite, bah tant pis pour vous. Parce que je peux même aussi vous offrir deux jeux, il me semble. J'ai pas tout compris comment ça se passait. Bonus XP de groupe. Du coup, comment ça marche le chat là? Le chat fondateur. Où est-ce qu'il est ce chat? Apparemment, il n'y est pas. Discussion globale activée, oui. Mais la discussion globale, c'est toujours le chat global. C'est pas le chat fondateur. Du coup, en gros, comment ça marche? Aucune idée. Peut-être que ça met un peu de temps à s'activer. Parce qu'il me semble que quand tu désactives le chat et que tu le remets, c'est pas automatique. Faut que t'attendes un petit peu. Du coup voilà, Ryo, je l'ai en deux fois. Je pense que j'allais prendre Fatal en légendaire et Ken en épique pour être sûr de les avoir au moins une fois tous les deux. Et Penny, j'ai toujours pas. J'espère l'avoir avant la fin d'event. Bon, ça, j'ai le temps. Mais là, vous voyez que j'ai un peu tout su. J'ai pas eu le fusil à pompe en légendaire. J'ai pas eu l'hameçon en légendaire. Mais sinon, j'ai tout en fait. J'ai eu tout là avec. Bah, j'avais déjà le pompe. J'avais déjà ça, je crois, du coup j'ai les 6 là dans les coffres que je viens d'ouvrir. Donc du coup ça c'est cool. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu courte. C'était juste pour montrer ce qu'il y avait dans le pack du coup upgrade à 150 euros. Même si bon du coup j'ai pas payé 150 euros du tout. Vu qu'il y a une promo et que j'avais déjà la moitié du pack, plus ou moins.
Bon, j'avais 60 € sur les 150 € plus le truc était à moins 50%, du coup je l'ai payé 45 au lieu de 90. Comprends-tu les bails? Voilà, c'était pour moi. Abonne-toi à l'autre rive. Mets j'aime sur la vidéo. Et suite au prochain épisode. Ciao tout le monde. Soldier out. Oui, très bien. Abonnez-vous à Soldier c'est la vie. Si t'as aimé la vidéo, maintenant tu peux laisser un like. Si t'as aimé la vidéo, maintenant tu peux t'abonner. C'est la vie.